La liberté, oh, oh, oh. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, allons à la fin du jeu directement. Pas du tout. Vous avez vu ce truc, c'est marrant. Il y a beaucoup de choses à faire. Oh là là, par quoi on commence? Je pense qu'on va commencer par les magies bleues. J'adore trouver des magies bleues. Revenons ici. Attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, c'est ça. Il y a deux magies bleues à avoir ici. Tac. Contrôler. Et puis on est bien. On est bien. Bon, et là, il faut trouver le dragon. Le dragon. Petit dragon. Parfait. Non, le tue pas. Contrôle-le. Car forcément, bon, ça marche pas tous les coups. Aïe. Voilà, parfait. Parfait. Tu es sous mon pouvoir. Et du coup, là, transfusion. Voilà, il se sacrifie pour mettre full life et full MP. Voilà, bon. C'est comme l'élixir, sauf qu'il y a un sacrifice à la clé. Ah, mais ça va marcher? J'ai pas pris le sort. Attends, qu'est-ce que j'ai branlé? Mais non, je me suis trompé. LOL MD. J'ai pas mis la bonne compétence, pardon, recommence petit dragon. Putain, mais c'est la deuxième fois que je fais cette erreur. Hein. Voilà, c'est bon, il est là. Je me suis trompé, excusez-moi. Recommence, petit dragon. Bouf. Voilà. GG, Mumba. Non, mais c'est bon. Et Mumba, ça fait des PC en plus. Hein. Bon. Voilà. Oh, nom, nom. Donne-moi ça. Merci. Voilà, puis transfusion. Ok, du coup, revenons à la bibliothèque des anciens. Il y a deux choses à faire, d'ailleurs, ici. Il me semble, hein. Ah non, c'est peut-être plus tard qu'on l'a. Il me semble qu'il y a un champ ici, mais... Ouais, c'est plus tard. C'est plus tard. Bon, vous vous rappelez de la page 256, espèce de Zoulou, là, je sais pas quoi. Bah, il faut le retrouver. On n'est pas multiple de 5, enfin, presque. Donc, on est safe. Quel enfer, ouais. Quel enfer. Il faut trouver ce Jean-Michel, page 256. Après, il y a moyen de savoir un peu à l'avance sur le combat, les pages qui vont sortir. Quand même, bon, je m'en souviens plus trop, donc... Écoutez... Bah, c'est ça, Maxou, hein, c'est... c'est un masque de Zoulou, le machin. Quoi. Coup de lire. C'est nul Master Chocobo, c'est nul. Chante Master Chocobo, chante. Bon, ça sort pas sur Switch, je pense. Ouais. Bon, ça fait des PC, hein. On va pas cracher dessus. Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Bon, peut-être ça, c'est pas mal, ça. Aïe. Je pense être baisé. Non, lancez-moi. Je pense que ça c'est 232 et 228 de mémoire. Attends. Non, c'est ça. Non, on va voir si c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que non. D'accord. Je sais même pas si on peut le contrôler. Mais Osef, dégage. Tue-le. S'il y a un 32 qui spawn, je pense qu'on se barre sur ce site. Ah, alors peut-être, je m'en souviens plus. Non, je suis pas d'effort, j'arrive pas à retenir les pages, putain. What the fuck? Full 64. D'accord, bon, c'est de la bite.
bourré, je pense. Bon, il est où? Il est où le Zoulou? Merde. Ah voilà, je suis en train de réfléchir sur les magies bleues qu'on peut apprendre. C'est celle-là. Il y en a deux autres qu'on pourra apprendre sur un mob en particulier. Puis je pense honnêtement c'est pas mal hein. Attendez, laisse-moi réfléchir. Non, je pense que c'est bon. Je suis où? Hein? Ah oui, non, mais c'est oui, c'est là. Par contre, ouais, ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal. Par contre, il faut pas qu'il fasse flûte lunaire, sinon c'est foutu. Go! Non! Oh le plan cul. Ah! Oh! Ah non! Ah quel connard! Ah, ouais, c'est un peu compliqué là de contrôler. Si seulement on avait un accessoire pour monter les chances de contrôler, comme le grand duelaron avec volet. Ah là 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 là. La main gauche! Non, ça marche pas, c'est la magie. C'est chiant parce que chaque fois que ça change de page, ça vient mon menu en fait. C'est trop casse-couille. Allez, Master Shikuba, allez! Contrôle-le! Contrôle le Zoulou! Ah bah. Le Zoulou en mode non! Connard! Non, 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 il faut un 32. Il faut le 32. Ouais, ça, j'ai ça à faire. Bon, j'en regarde vite fait, bon, je pense que c'est de la bite. Non, c'est de la merde. On va l'avoir, je vous promets, on va l'avoir. Ça, c'est perte de temps, quoi. Mais bon, les magies bleues. Ça va prendre un sort que j'utiliserai pas, quoi. Quel enfer. Allez le jeu, allez. J'ai pas eu forcément les enchaîner, les combats, enfin les tuer. Parce que si je level up là le niveau 5 à 2, je vais l'avoir dans le cul quoi. Ok. Allez, oh Maxou, j'arrive. Maxou, non. Oh le con. Oh le con. Sérieux, quoi, mais... C'est quoi la probabilité que ça arrive, quoi? Double aéro plus sur Maxou, quoi. Putain. Terrible. Ah, terrible. Allez, allez, monte-toi. Putain, mais quelle blague, quoi. Mais sérieux. Le jeu. Game. C'est un enfer. S'il vous plaît. Ça.
Mais bordel, il est où? Il est où ce con? C'est pas possible. Game. C'est trop chiant ce menu qui se barre quoi. Au secours. Je sais pas si le feu c'est plus efficace sur ces mobs. Quoi? Merde, ah oui. Ah si, on dirait. Putain, mais toujours pas hein. Toujours pas, mais what the fuck. Terrible. J'ai mal. Ah, on aime pas le feu, ouais. En même temps, c'est des pages, hein. Logique. Comme ça, on va être plus rapide. Il veut plus se montrer, ce connard. Attends, mais c'est une blague. Il veut plus être là. Ah d'accord. Ah mais non mais non, merci pour Pocket Phoenix. Putain, shideg. On l'avait tout à l'heure là, mais s'il avait pas fait sa flûte lunaire de merde là. Putain. Bon, au moins, voilà, on gagne des PC, bon. Mais non! Je veux pas contrôler ce connard! T'as qu'est-ce que t'as, toi? Et bah, t'as rien du tout. Ok. Attends, si je fais ça. Ok, bon. Mais c'est dingue, quoi! Mais à la limite, il faudrait que je vois les. C'est quoi les groupes de monstres sur la page 256 et une chance de spawn quoi. Parce que je connais que la 32. Oh là mais. Nick. Allez, allez, allez! Ah bon, d'accord. D'accord, je peux venir. Allez, monte-toi! Allez! Sors ta cachette! Merci! Non! Le contrôle, pourquoi ça va marcher? Contrôle-le! Oui! Oui! Enfin, bordel! Sans défense, merci à tous! Non, par contre, s'il te plaît, fais un effort. S'il te plaît. Mais... S'il te plaît. Merci. Enfin. What? Allez, ça continue. Et un petit tour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Retourne dans ta page.
Il faut que tu te mettes à la page, lol. Sans précision, j'avoue. Mais bordel, mais... Ah oui, mais ça, c'est la page... Ça fait un total, je m'en souviens. Ça va jusqu'au 32. Bordel, mais cassez-vous. C'est les mecs en mode col-col-col, on va les avoir. T'as par contre 4 PC, hein. Enfin, on a pris cette merde qui ne sert à rien. Ouais. Bonjour. Headshot. Ok. Mais c'est pas fini. C'est vraiment... Maintenant on va faire une petite session farming. Ah, session farming, vite fait. Je vais pas sortir par là, c'est une blague. Je pensais qu'on pouvait sortir par là. Nick. Mais quel enfer. Mais quel plan cul. Quel enfer. Oh, attendez, je vais peut-être mettre en mage blanc. Quoique. Bon. Bon, au moins, on aura tout fait dans ce putain de... Dans cette putain de bibliothèque des anciens, quoi. Bah, il nous manque encore un item à trouver, mais c'est plus tard dans le jeu. Là... Il faut monter... La cape elfique. Vite. Ouais, vas-y. Attends, est-ce que je me rappelle là du coup pour Tac. Tac. Et tac. Non. Hein, c'est où? C'est là normalement. Ah non, c'est là, pardon. Ok. Alléluia. Ouh. On a quoi de magie bleue là? Eh, hey, on a quand ça va pas mal hein? Quand ça va pas mal? Apprentissage. Tech. Bonjour. Ok. Maintenant, il est temps de découvrir un ennemi assez particulier. Qui, sans le dompteur, vous pouvez pas le tuer, honnêtement. Enfin, sans le dompteur et sans défense. Et surtout sans le dompteur. Normalement, c'est sur une de ces îles. Enfin, sur n'importe de ces îles au sud. Bonjour. Le prototype. Ok, ça va, tout bien. Alors, normalement, il a une magie bleue à m'apprendre. Deux magies bleues, même. Ah, celle-là, c'en était une. Qu'est-ce que... Bon, par contre, vous voyez que... Bon, il a un peu de défense, hein. Il a un tout petit peu de défense. Bon, on va lancer à méditer pour voir... Ah, comment on fait? Voilà, c'est ça, tac. Ah! Ah! Ouais, il a un peu de défense, hein, ce prototype. Oh non, ça c'est de la bite, ça. Ça c'est de la bite. Non, c'est bon, ok, parfait. Bon, il est faible à la foudre, normalement. Ah! Bon, c'est quand tu veux pour faire ta merde.
Voilà, c'est ça que je... Le lance-flamme, mais il fait pas sur le bon. Évidemment. Évidemment qu'il fait pas sur le bon, ce con. Donc on va être patient. Bah, du coup, vous me demandez, putain, mais comment on fait pour tuer cette merde qui a 3 milliards de défense? Alors du coup, vous avez le sort défense de la magie bleue. Le sort défense de la magie bleue qui peut réduire sa défense, mais bon, c'est pour en faire quelques-unes, quoi. Ou sinon, il y a une autre manière, et c'est là que le dompteur brille. Putain, mais quel connard, allez là. Donne-moi ce lance-flamme. Et Périt. Oui, oui, ça fait mal, ça. Aïe. Enfin, techniquement, on peut prendre 3 magies bleues sur ce boss, en fait. Ah, sur ce boss, sur ce mob. Non, mais par contre, tu le fais exprès, mec. Tu le fais exprès. Non, Master Shugo, c'est lance-flamme, il... Lance-flamme n'est pas disponible dans le... Dans le contrôle. Et de toute façon, un truc comme ça, on peut pas le contrôler, hein. Lol. C'est pour ça que, bah, faut être patient. Qu'il fasse sa merde. Ah. C'est ça qui est bizarre à contrôler du dompteur, c'est qu'il y a... Oh! Bah ça, c'est bien visé, ça. Bah, déjà, une magie bleue d'apprise. Le missile. Réduit 3/4 des points de vie de la cible. C'est pas mal. Missile qui se faut dans contrôler, mais pas le lance-flamme, malheureusement. Ah, bon, ça, c'est l'effet du blaster, malheureusement. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde de claquer les queues de Phoenix, mais bon. Oh, j'ai un peu dû faire ça, je pense. J'ai un peu dû faire ça, je suis pas en danger. En tout cas, c'est cool, il y a un peu. Hein. Le missile! Elle est vraiment classe, l'animation du missile, hein. J'aime bien. Oh, la cape elfique! Non, mais là, on va mettre tout le monde en mage bleu, hein, parce que là, il me casse ses couilles, là. Oh, non, mais là, c'est pas possible. Surtout qu'il va tuer Maxou, je pense. Voilà, ouais, évidemment. Évidemment, connard. Attends, on va attendre un peu, on va attendre. Oui, oui. Pour vous, c'est que tout le monde crève. Ouais, reste un peu à terre, Maxou, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Maxou. Ok. Mais c'est un putain de troll, ce truc-là. Allez, là! Scheisen Hans! Sors le lance-flamme! Ah bah voilà quand tu veux! Ok, c'est parti! Bon, je reste Maxou. Contrôle-le! Et là, il faut que ça passe. Oui! Et du coup, comment on fait pour détruire un mecha qui a 3 milliards de défense? Et bah. Quoi de mieux que l'autodestruction? Merci à tous! Allez, salut! Voilà, 5000 points du machin. Ouh. Et là, 2000 d'XP. Ah, ça donne XP ce truc, what the fuck. Mais surtout 4 PC, quoi. Lance-flamme, missile. Et surtout, on drop un petit H-espace. Oh! Pour l'instant, ça sert à rien, mais bon. Par contre, je pensais pas que ça donnait autant d'XP cette merde. 2000 d'XP, what the fuck, j'ai pas envie de pexer de ouf, moi. Il semble que ça donnait 0 d'XP ce machin. Oh. C'est le H-Espace, bon, c'est sexy, quoi. Tic. Nick. Le farm, ouais. Ça te cheat. Zelfi. Mais normalement, il donne pas l'XP, c'est ça qui m'emmerde. Oh. ce mob. Ah, je te soigne. Voilà. Ah non, c'est pas cool. Oh, Maxou, pas Mumba. Ok. Et du coup, vous demandez à quoi ça sert les H-Espaces, du coup? Et bah, vous verrez plus tard.
Avec une certaine classe. Peut-être la classe... Je pense avec le bard, c'est la classe la plus OP du jeu, voilà. Cette classe ne veut absolument rien dire. Bah, j'ai plus rien à maîtriser là, enfin à apprendre. Bon... Voilà. Eh, quand même, le bard a pas mal d'MP. Hein. J'ai en drop 4, et puis voilà. Ah non, tu vas m'instant chez Kobo. Non, c'est... Putain. Shizen lance flamme. Ça va être compliqué. Oh non, arrête. Non. Ça coûte cher les queues de Phoenix, monsieur. Hein. Ah, ok, on va se barrer. Ah, c'est dommage. Ah, putain. Bon, allez. De toute façon, tant qu'ils sont au contrôle, il peut rien faire. Donc, il faut pas qu'on le tape. Sinon, ça brise le contrôle. Ça va me coûter cher en queue de Phoenix, ces conneries. Ça va me coûter cher. Mais je suis con, j'ai mis magie blanche ou pas? Après, ça coûte 500 XP en fait, bon, ça va. Vous pouvez dire que je suis un gros con, oui, merci à tous. J'avais vie, putain. Quel connard. Ah merde! Tout va bien. Allez, Master Shikobo. C'est ton moment de briller! Oh là 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 là. Je vais prendre ça cache-espace, puis on va se barrer. Hein. Et c'est dur ce combat, hein. C'est dur. Hein. Mais contrôler, c'est tellement bien contre ce. Au moins, c'est aussi tôt contre un autre. Qui était pire que celui-là, honnêtement. Spirit. Oh, t'es sous mon contrôle. En tout cas, voilà, si vous voulez fermer des PC sur ça du jeu, cet endroit c'est le meilleur quoi. 4 PC à chaque fight, super rapide à faire. Allez, encore un autre là, regardez là. Y'a moi et Mumba, on est à genre 1 et 2 PC de level up. Voilà les gars, un petit dernier, voilà, si vous avez bien compris le... Voilà, le combat. Voilà, on contrôle. Voilà, et merci à tous. Parle pour toi, enfoiré. Et la kamikaze, ah, on peut pas faire kamikaze sur nous. Je vais faire kamikaze sur Maxout, c'est... Ah non, j'école, Maxout a besoin de PC lui aussi. Il a besoin de PC, voilà, Magic Chronos niveau 4 et Mumba qui a pris visé, incroyable. Incroyable. Putain, 135 PC. Ouf. Et encore, c'est pas le pire. Et là, je vais mettre en mage blanc. Voilà. Petit mage blanc. Avec mage chronos. Cas du C. La cape elfique. La cape elfique. Bah voilà, bah c'est bon. On est pas mal. Maintenant, exploration village. Parce que voilà, Mumba Master Shikobo vient de Tycoon, bon le Maxo c'est un vieux, on sait pas d'où il vient. Mais moi, je viens d'où? Je viens d'où moi? C'est étrange ça. Je viens d'où moi? Ah! Je crois que c'est ce village. Clic, c'est ça. C'est mon village natal! C'est chez moi! Avec la musique, mon thème. Oh là là là. Ce thème est trop bien. TV, c'est toi, youpi! Youpi! TV, revenez! Casse-couille. Comment perdre la moitié des viewers en leur cassant les oreilles? Ah, c'est gratos! Oh là 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 là. Allez, peut-être. Alors, peut-être que. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. L'argent. Et là, je me barre, je pars rejoindre Boko.
Oh. La romance avec Master Chocobo, c'est tout de suite et maintenant. DV, ça va? Master Chocobo, retourne dormir. Oh, Master Chocobo, faut aller dormir. Ici, repose-toi là. Je te présente ma mère. Pardon? Je suis né dans ce village, mais ma mère a décédé quand j'étais très jeune. Ensuite, j'ai voyagé avec mon père pendant des années. Cependant, il est tombé malade il y a 3 ans et... Voilà, c'est mieux comme ça. On nettoie la tombe. Ici, on repose Stella et Dorgan, son mari dévoué. Il voulait t'entraîner avec maman. Mon père était un homme courageux. Un père, j'aurais bien aimé en avoir un. Master Chocobo? Partons, Mouma va s'inquiéter si nous ne sommes pas là à son réveil. Maxou s'en fout là. Voilà, du lore les enfants, du lore! Le lore d'FF5! Moi même si je préfère l'histoire d'FF4 et du 6, mais voilà! Ta ta la 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 la! Je suis. Maxou, c'est dans son lit! Oh, mais l'ombre! Pas prendre la magie là, bon! On va voir ce qu'ils ont. Super. T'es nul. T'es très nul. Après, ici, c'est pas mal. Izuna, ça permet d'apprendre Izuna si vous avez loupé dans le château de Karnak. Oh, DV, comme tu as grandi! Oh, DV, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. T'as finalement décidé de rentrer chez toi. J'espère que tu ne repartiras pas à l'aventure tout de suite. Bah, excuse-moi, tu vois, je suis gardé la lumière, papy, donc. Maman, papa! Ici, on possède Dorgan, son mari dévoué. Bah, c'est pas ma maison, ça, non? Je sais pas. Ah, c'est Lix maison. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Vous habitez ici? Eh bien, vous ne gênez pas, faites comme chez vous! Mais qu'est-ce. C'est quoi ça? Une boîte à musique? Je m'en souviens pas. Je m'en... Putain! Merde! J'ai trouvé un truc au pif, je m'en souviens pas de ça, tiens. J'ai trouvé une boîte à musique. Non mais arrêtez là, je vais m'endormir en fait. Il dort ce petit con! Tu veux repartir bientôt, n'est-ce pas? Le non-respect du fils, je n'irai nulle part. Mes crises ne sont plus aussi fréquentes qu'avant, je vais mieux. J'aimerais quand même que tu puisses rester avec nous de plus longtemps, ta famille a besoin de toi. Je sais, tu viens de te reposer, tu n'es pas tout à fait rétabli. J'irai bientôt me coucher, laisse-moi juste terminer ça. Ouh là là. Non, c'est bon. Hé, hey, TV! T'es un petit con! Oh putain, mais merde, j'ai pas le choix! Tu vas partir, c'est ça? Tu dormais pas, petit voyou? Tu vas aller combattre les méchants, papa? C'est mon devoir! Je vais t'accompagner, lol! Tu dois rester ici et prendre soin de ta maman, de ta mère. Ne dis pas que tu m'as vu partir, d'accord? Ce sera notre petit secret. Hein. Moutichibouscoussus. Sus. Allez, tu peux dormir maintenant. Hein. Stella, tu pourras terminer demain. Viens te reposer. Viens te reposer, femme. Stella? Oh shit! Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Stella! Terrible. Bah super. Ouais, c'était un très bon souvenir. Bon, normalement, ici, il y a quelque chose qui m'intéresse. Il y avait la porte d'exercer. Je suis. on peut acheter les éthers ici. 750 au secours. Voilà, mais ça fait du cible. Des kunai. C'est de l'agilité, ouais, shuriken. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Non, peut-être pas. On va servir, hein. Bon, peut-être pas 3 milliards non plus. Oh là 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 là. Merci bien. Putain. J'ai... On a parlé au barde. Ah oui, bah oui, c'est ça, mais il me semblait que le barde il avait quelque chose à m'apprendre.
quelle jolie mélodie, je vais écrire une chanson. Ah oui, merci Mumba. Voilà, je vous l'ai dit. Vous apprenez l'aria séduisante qui sert à rien, mais on l'a, voilà. Il sent bien qu'il y avait quelque chose avec ce con là. Bon. Y a pas un piano ici? TV à la recherche du piano. Y a pas un piano là? Il semblait. Peut-être que je confonds avec un autre village. Yévé, tu te souviens de moi? Viens me rendre visite, ce sera comme au bon vieux temps. Ok, au secours! On me drogue! On me drogue! 4-7-4-8-4-9 sans j'arrive! Ah non, merde, putain. Ok! Je suis Père Noël, bitch! Voilà. Jeanne! Au secours! Hé! Au secours! Et je suis mort en fait, voilà, c'est ça la vérité. Je ne suis pas DV. Et depuis tu as le vertige, hein, c'est donc ça du coup mes vertiges. J'étais peut-être, pas une lumière quand j'étais petit, mais un jour je serai le plus brillant des savants. Et bah c'est cool. Où est-ce que tu vois ça, Maxou? Ah oui, au milieu, j'avoue. Twilight Forest, on y va. Non. Alors ton père est tombé malade, comme si malheureux. Bon courage, mon petit DV. N'hésite pas à prendre mes petits cookies. Bon, y a rien à faire ici, salut. On a vu quand même un peu plus du lore de moi. Mais il semblait qu'il y avait un autre village. C'est bizarre cette montagne. Peut-être c'est pas ici ce village. C'est pas notre village à voir là. Ah, et ça c'est le temple de l'eau. Ah, de l'air. Ça c'est les pas ma bateau. Bon, j'ai peut-être craqué. Je pense que je confonds. Alors. Tac, ok. Non, mais je vais pas me poser là. Je vais juste aller quelque part pour vérifier quelque chose. Y'a pas un piano là? À Jacol? Pas de taverne ici? Oh oh oh! Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mais t'as raconté qu'ils ont étendu des bruits étranges venant du sol de l'unule bizarre? Ah bah c'est donc là la... la piste pour l'unule, y'a rien ici. Non, je pense qu'il y a peut-être... Des fois, il y a des pianos bien planqués. Ah mais si, regardez, taverne. Oh, attendez, oh, si, si. Ah, il me semble bien. Oui. Oula, oula, attention. Beethoven, bitch. C'est pas une fausse note, ça? Oh, c'était rapide. Votre talent de pianiste s'améliore, ouais! Oh yeah! Mon talent de pianiste s'améliore, bitch! Joignez-vous à nous! Oui! Il y a tellement d'interactions dans ce jeu, c'est ouf! Et toi aussi, derrière l'écran, bouge ton boule! Tout le monde, dansez! Encore une fois! Bon, je vais pas faire le con sur ma chaise, mais... Merci à tous. History ah oui, c'est vrai, History, ouais. Ah, un mur qui vient d'exploser. Quand commence à Mumba. Ah oui, le quatrième mur, tu parles. J'avoue. Ouais.
Ouais, je pensais que c'était toi, tu sais, il y avait le GGN qui a dépété ton mur, tu sais. Ah, en fait, les tavernes sont pas diquées sur la minimap, c'est assez pute. Est-ce qu'il y a une taverne ici? Je pense que. À part des moutons de merde ici, y'a rien. Par contre, la musique, oh là là. Cette musique, j'en peux plus, JPP. Oh là là là. Non, y'a pas de taverne ici. Hein. Bon, le talent de Pranio, c'est pas encore ça, mais la danse, c'est nickel, je vous. Bon, bah écoutez, c'est parti pour la suite de l'aventure. On a fait le tour. Je pense qu'on est pas mal. La guerre, les viewers. Que se passe-t-il? Regardez la ville. Optimus Prime, il est mort pour vos péchés. Oh là 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 là, quel est ce tas de pixels dégueulasse? Ça ressemble à rien. Ah oui, c'est là, faut que j'aille voir. Sid, mis au secours, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce scénarium? Je pense qu'on va faire ce donjon, puis on va s'arrêter là. Enfin, on en a encore pour une bonne demi-heure, je pense. Hein. Sidney, nous avons un petit problème. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tout vu à travers le télescope. Le cristal de la Terre est là-haut. Les Rookas avaient empêché le pouvoir du cristal de la Terre pour faire voler leur cité. Toutefois, ils ont arrêté dès qu'ils ont découvert que ceci pourrait endommager le cristal. Merde, nous devons nous dépêcher parce que le scénarium. Non, c'est pas possible, père, je sais pas ce qu'ils ont dit, c'est pas grave. Non, il ne ferait jamais une chose pareille. Comment pourrons-nous atteindre la cité? J'en ai éternué au secours. Grâce à ceci. De la damantine. Si l'on renforce le vaisseau avec ce métal, il pourra voler plus haut. Cependant, il faudrait vraiment en trouver. Aucun problème. Mon corps est fait d'adamantine, je suis Wolverine. Il y avait de l'adamantine dans l'héroïde que j'utilisais pour venir ici. T'en es sûr, papy? Tu doutes de moi, espèce de petit con, hein? Non, seulement ta mémoire n'est pas très fidèle ce jour-ci. Balivier, je me suis parfaitement aperçu l'adamantine. Et je suis vieux. Quoi qu'il en soit, pour commencer par l'héroïde. Nous restons ici pour effectuer les préparatifs. Apportez la damantine et Nick Analog qui passe tout de suite les dialogues, putain. Déjà où Maxou, tu sais. Allez, on y va. Attendez juste un petit moment.